Transforme la vie,
prions au nom de Jésus. Nous te consacrons, nous prions que ça devienne le sang de Jésus. Nous sommes purifiés. Tout ce qui est créé, tous les rituels que tu peux t'amener, par le sang de Jésus, nous les purifions, nous les neutralisons, que ça devienne une eau de vie. Papa, nous venons à sa protection. Nous te prions, je prie ça. Oh, que la transformation soit à toi. Oh, sois en paix dans la vie. De marcher en vérité, de marcher malgré les mauvaises intentions qui vont durer, de tenir jusqu'à la fin. Regardez cette foule, ça montre que vraiment l'Esprit de Dieu est en action. L'Esprit de Dieu nous convainc que le monde est péché. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment extraordinaire qu'il nous accorde. Et nous savons que le Seigneur aussi est dans la joie, parce que la joie aussi est sur la terre. Donc voilà, nous allons partager ce moment avec les disciples. Oh bien aimé, comment tu vas? Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu sens la joie en toi? Seigneur Jésus, je prie pour ton fils Daniel. Oh, aujourd'hui, c'est un jour, un grand jour pour lui. Un grand jour de renouvellement de l'intelligence. Un grand jour où, oui, Seigneur Jésus, il va démarrer une belle vie avec toi. Un grand jour où les choses anciennes passeront. Un grand jour où les choses anciennes par sa parole, par sa prédication, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que je ne sais pas si vous avez reçu une prédication. Frère Daniel, nous déclarons que tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Tu es mort avec Jésus-Christ. Nous déclarons que tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui et nous te baptisons au nom de Dieu.
Que ce que est Jésus, je prie que ce que soit rempli au nom de Jésus. Oh, que le ciel de ta maison, le nom de Jésus. Oh, à pas de Jésus, au nom de Jésus. Que Judas soit rempli au nom de Jésus. Soit rempli du feu, au nom de Jésus. Soit rempli du feu, soit rempli du feu, soit rempli du feu, soit rempli du feu, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Que le temps. Jésus revient, alors révèle-moi. Le Seigneur m'a révélé qu'il est dans ce réveil. Alors depuis là, je me suis engagé. Je cible le groupe Jésus revient jusqu'à ma mort. Un engagement ferme de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité et de suivre aussi le Seigneur qui est dans ce réveil. Parce que la vérité se trouve dans ce réveil. Et nous bénissons le Seigneur. Frère béni. Quelles que soient les conditions, je prêche la parole en toute occasion. Par bon nom, c'est cette mission que tu as. Amen.
venez d'avoir vu que la fatigue est chargée. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai un nouveau jour. Le jour léger. Et c'est ça le premier slide. Gloire à Jésus. Nous sommes vraiment bénis le Seigneur Jésus pour la vie. Le frère Matthieu, qui vient d'être baptisé par le Seigneur Jésus lui-même, il a dit qu'il a reçu la fraîcheur du Saint-Esprit de Dieu et qu'il s'est senti régénéré. Donc, effectivement, les choses anciennes ont lieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus jusqu'à la mort. Nous te baptisons au nom de Jésus. Viens avec nous. Alléluia. Jésus. Et que la pluie de la bénédiction, comme il y a saison, puis qu'il y ait le rafraîchissement des cieux, la bénédiction des cieux. Nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Gloire à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur Jésus pour votre vie. Le réveil est en marche. Et le Seigneur suscite ses enfants depuis plusieurs nations pour venir être imprégnés dans le feu du réveil. Et voici la servante de Dieu, Honorine, qui a quitté depuis la France aujourd'hui pour être baptisée au nom du Seigneur Jésus. Elle a traversé tout le processus, la repentance, la délivrance, l'enseignement de la Sainte Doctrine. Et aujourd'hui, c'est le jour de son baptême où elle va définitivement être une élue du royaume. Gloire à Jésus. Alléluia. Renouvelle. Seigneur Jésus, je prie, après ce baptême, qu'elle soit une nouvelle créature, qu'elle soit une nouvelle personne. Et je prie, Seigneur Jésus, que sa vie chrétienne change. Que sa vie chrétienne change. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé. Dis-nous, après, vous l'avez senti, quelque chose l'avez remarqué. Encore de nouveau dans votre vie. Alléluia. Quand j'étais plongé dans l'eau, je ne m'appartenais plus à moi-même. Amen. Et quand je suis pour me sortir, mon être était en fait. Gloire à Jésus. Le Seigneur de Dieu, vraiment, nous sommes dans la joie. Le bien-aimé, tu dis, à sa sortie, il a senti vraiment une fraîcheur, c'est-à-dire la joie, qui est le fruit du Saint-Esprit de Dieu, qui s'est il a expérimenté sur la gloire à Jésus. Dieu qui atteste en lui, vraiment, il a reçu l'Esprit de Dieu. Mais le fruit de la vie, qui atteste en nous, vraiment, nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, Alléluia, qui a quitté depuis la Suisse, vient de la Suisse, pour vraiment vivre le feu du réveil avec nous. Elle est là depuis une semaine et vraiment elle s'est engagée totalement, marcher dans la Sainte Doctrine, dans la vérité. Et le Seigneur, par sa grâce, a touché sa vie. Vous aussi, qui êtes loin, qui est dans, loin de, du Bénin, est dans les pays étrangers, les pays occidentaux. Nous vous invitons à, ici pour vivre vraiment le feu du réveil que le Seigneur a allumé ici au Bénin et qui est en train de se propager dans le monde entier. Toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Mali, toi qui es au Burkina Faso, au Gabon, toi qui es en France, toi qui es dans l'Asie et dans toutes les nations, descends pour vivre vraiment ce feu du réveil. Alléluia, alléluia. Il faut trouver quelqu'un pour qui va consoler les ténèbres. On dit allons vers Rouda. Allons vers Rouda et consulter les ténèbres. Aujourd'hui, je prie cet esprit. Seigneur, maintenant, et que l'on sait que les fêtes de Rouda s'attendent. À l'instant même. À l'instant même. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. C'est bon de Dieu. Honorine Rouda. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La sœur Honorine Rouda. Dans c'est pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Dans c'est pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur a confirmé ce que tu avais reçu dans Michel 4, le Saint-Esprit magnifique. Il est un esprit de synchronisation. Amen. C'est bon de Dieu, Rouda.
te bâtissons dans le nom de Jésus. Tu es mort avec Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Esprit de Dieu. Jésus, remplis la scène. Seigneur, équipe la juste ta puissance. Remplis-la. Seigneur Jésus, maintenant, qu'elle te baptise à ton. Je prie le Saint-Esprit. Et qui cet esprit. Cet esprit. À l'instant, tu l'équipe. Elle reçoit la capacité. Seigneur Jésus, donne-lui la sagesse. Reçois le conseil. Reçois l'intelligence. Reçois la sagesse de Jésus. Il y a beaucoup, on va dire seulement, Seigneur, tout ce qui se trouve dans le cœur de la Seigneur, accomplis-le pour elle, au meilleur nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle veut, Seigneur, toutes les prières qui se passent en elle, Seigneur, après ce baptême, pour que tu lui fasses, Seigneur, nous prions. Et nous demandons, Seigneur, que tu agisses puissamment, oui, dans sa vie, que tu fasses, que tu fasses grand chose dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci pour ça. Merci que ton enfant nous prions, Seigneur, lorsqu'elle va entrer dans les eaux et ressortir, Seigneur, qu'elle s'assoie à ce changement, que toute maladie dans son corps, lorsqu'elle va entrer dans les eaux, revenir, Seigneur, que les maladies disparaissent au nom de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Tu as fait tout ça. Les taux de révélation, que c'est dans soi. Voilà. Même pas peur. Pour te faire comme ceci. Non, non, c'est pas grave. Voilà. Sœur Déborah, nous vous baptisons au nom de Jésus. Alléluia. Nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus. Tu es mort avec Jésus. Seigneur Jésus, Pensées vont venir. Oh Seigneur, que ce cœur de salut les arrête, nous disons. Que ta fille ne soit point troublée par ses paroles déshonnêtes. Seigneur, je mets à sa poitrine sa couleur de justice. Seigneur, tu as dit que tu reçois ta justice. Tu reçois ta couleur de justice. Seigneur, tu nous as dit que tu es un Dieu de justice, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant que la justice soit par Seigneur. Reçois à sa poitrine pour toujours. Seigneur, je sais assez bien la vérité. De la vérité. De la vérité. De la vérité. De la vérité. Et je mets à ses pieds les portes de l'évangile. Tu regardes les sables de la mer. C'est ainsi que ça pourrit. Aujourd'hui, Seigneur, fais Jésus le bénisson. Maintenant, même, tout qui va confondre les ennemis,
sécurité. Le peuple qui bat quelqu'un a mené un bon combat. Saisis le peuple. Saisis le peuple. Le feu de la parole. Le feu est là. Je ne peux pas résister à ce feu. C'est un feu qui brûle. Saint-Esprit, je prie sur elle maintenant. Oh, Saint-Esprit, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Parce que elle, tu veux l'utiliser. Saint-Esprit, confirme, ce que tu as commencé à chercher. Tu as dit dans ta parole que la fin de tout ce vaut mieux que son commencement. Après, nous voulons voir la fin. Oh, comment tu vas tester que c'est les remplis de feu. Comment les remplis de feu. Oh, comme elle est remplie de feu. La puissance de Jésus. Oh, regardez, vous faites force. Ça n'est pas du bien, Jésus. Les temps sont finis, il n'y a plus de temps. Tu es le péché. Le péché qu'on vient d'en faire. Le Seigneur donne la force. Le Seigneur donne la force. La marque de l'ennemi sur ton visage. Oh! Jésus! C'est la force de Dieu. Amen. Tu sais, cette fois-ci, après ça va se passer.
L'achèvement, Seigneur, aujourd'hui, où tu les vois, même Seigneur Jésus, tu les as baptisés, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Merci, Jésus. Merci pour les dons qui sont enflammés. Merci pour la présence de ton esprit, c'est dans leur vie. Nous prions en l'état, Seigneur Jésus-Christ, que tu les accompagnes, Seigneur, parce que c'est un voyage qu'ils ont entrepris avec toi, Seigneur. Accompagne-les dans ce voyage. Si tu ne reviens pas, Seigneur Jésus-Christ, beaucoup, Seigneur Jésus, ont promis de gagner des âmes pour toi. Seigneur Jésus, que Seigneur, ici, chacun soit enflammé par le zèle de l'évangile, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse aller gagner des âmes pour toi, Seigneur Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous as assisté. Voici nous sommes à la fin, Seigneur, nous sommes partis du Seigneur. Nous prions que tu nous accompagnes, Seigneur Jésus. Que tu nous préserves, Seigneur, que tu parles de toi, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur, de notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Oui, nous y est, Jésus,
Très bien. Alléluia. Oui, là-bas, c'était mieux. Là-bas, c'était mieux. C'était mieux. Non, je sais. Non, ici, c'est bon. Comme c'est la fin. Nous repartons tous avec la joie. Alléluia. Cette joie, ce n'est pas la joie de la chair, mais c'est la joie produite par l'esprit. Et ce moment est un moment très, très capital. C'est un moment mémorial. Pour chacun de vous, comme dans le monde que vous allez faire, les citoyens d'un pays, c'est qu'il a des droits. Alléluia. Il y a aussi des devoirs. Donc ça veut dire que le pays le protège. Ça veut dire que désormais le ciel va vous protéger. Amen. Et vous aussi, vous avez des devoirs vis-à-vis du ciel. Ces devoirs, c'est quoi? C'est votre marche. La fidélité de la marche. Parce que vous tous, avant que vous veniez au jour du baptême, vous êtes tous passés par un moment de jeûne, de repentance. Vous avez pleuré devant le Seigneur sur votre vie de péché. Vous avez regretté amèrement tout ce que vous avez mené comme vie dans le passé. Parce que vous avez vu que c'est mauvais. Et que si vraiment le Seigneur ne faisait rien, là c'est directement l'enfer qui va vous apprendre. Mais grâce à Dieu, le Seigneur vous a vraiment exaucé. Et vous êtes passé par la délivrance. Et ça s'est bien passé. Alléluia. Voici le grand moment. La vie déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Ça veut dire que le baptême vient entériner votre salut. Vous avez cru, c'est bon. Maintenant, il faut prendre l'engagement. Ce baptême est comme un signe d'engagement d'une nouvelle conduite, de bonne conscience. Ça veut dire que désormais, nous devons marcher dans la sainteté. La sainteté doit désormais être notre modèle de vie. Amen. Amen. La sainteté, ce n'est pas seulement devant les frères. La sainteté, ce n'est pas seulement assurément l'église, mais dans les lieux les plus secrets de votre vie. À la maison, partout. Vous devez refléter cette sainteté. Vous pouvez dire que nous devons dégager l'odeur de Christ. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que, comme nous disons chaque fois, tout ce que vous avez utilisé comme membre du péché, vous devez l'être enterré à jamais. Alléluia. Celui qui volait avant doit savoir que désormais, qu'il est devenu une nouvelle personne. Alléluia. Celui qui combattait avant, ne peut pas voir une chose sans pouvoir combattre, doit savoir qu'aujourd'hui, ces yeux-là sont déjà morts. Et il reçoit les yeux de Jésus. Jésus ne combat pas. Amen. Alléluia. Et vous savez que notre bouche devient la bouche du Seigneur. Ça vous dit quoi? Ma bouche ne peut plus dire n'importe quoi. Ça veut dire que des paroles désolées ne sortent pas de vos bouches. Si je parle, je parle de vérité. Si je parle, c'est pour édifier. Si je parle, c'est pour consoler. Si je parle, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas parler pour, pas parler pour créer de problèmes. Amen. Donc, nous voulons vraiment vous encourager à la marche. Cette marche, c'est vraiment, c'est bon, hein? La fête est très bonne. La fête, vraiment, c'est une fête heureuse. Mais pour y parvenir, vraiment, il faut persévérer. On doit beaucoup de tribulations. Chacun a sa tribulation. Chaque personne aura des tribulations. Que ce soit dans vos familles, dans vos entreprises, tout ça, là, vous en aurez. Mais vous devez vous réjouir. Pourquoi? Parce que la fin de toutes choses, vous connaissez déjà, c'est le ciel. Le ciel va vous couronner. Maintenant, vous devez prier pour que les frères qui se plaignent dans le monde, vraiment, que les voisins les atteignent. Alléluia. Donc, vous devez être amené de l'amour de Christ tous les jours. Comme le David déclare que, comme vous avez de Actes 10, verset 37, dit que Jésus allait de lui en lui faisant du bien. Alléluia. Ça dit que nous aussi, on doit aller partout en faisant du bien, en laissant cette joie. Regardez la foule qui accompagne Jésus. À chaque fois qu'elle allait quelque part, il n'y a jamais de pleurs, mais c'est la joie qui accompagne le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous serons tous nos sujets, les ambassadeurs de cette joie, de cette paix. Vous avez été revêtus, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu le feu, mais que ça ne s'éteigne pas. Alléluia, que ça s'éteigne. Travaillez, travaillez au don. Travaillez vraiment votre ministère, chacun a reçu. Alléluia. Donc vraiment, qu'au dernier jour, que le Seigneur vous rappelle cet événement. Amen. Un jour, vous avez été baptisé. Alléluia. Merci pour la vie de tes enfants, de tes fils, parce qu'ils sont entrés dans le cœur des fils de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu as encore fait de grandes choses et tout le monde est dans la joie. Nos cœurs débordent de joie. Et nous savons que du même ciel est dans la joie. Et les anges sont dans la joie. Et ton trône est en train de bouillonner de joie pour ces élus qui entrent encore dans la maison. Seigneur, tu es en train de peupler le royaume. Tu es en train d'agrandir le royaume. Tu es en train d'étendre le royaume. Alors Seigneur Jésus, je prie que ces nouveaux recrues, ces nouveaux
engagés, ces nouveaux venus dans ta maison, je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses les aider, tu puisses leur donner la force de marcher, oui, et de connaître les lois spirituelles de ton royaume, afin de marcher conformément à ces lois et de ne point transgresser aucune de ces lois et de ces commandements que tu leur donneras. Seigneur Jésus, je prie que leur vie chrétienne, même dans les épreuves, dans les tribulations, les persécutions et dans la tentation, tu sois avec eux, tu les accompagnes, tu les soutiennes. Et Seigneur, tu les tiennes par la main et tu les conduis. Seigneur, je prie que toi-même, par le Saint-Esprit, tu leur enseignes les vérités indéniables de ton royaume. Tu leur enseignes les vérités spirituelles et les vérités ineffables du royaume des cieux. Les vérités qui vont les accompagner, qui vont les faire marcher sur le chemin étroit. Seigneur, tu l'as dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, je prie que le royaume de ceux soit la priorité. En toute chose, qu'ils cherchent l'intérêt de ton royaume, qu'ils cherchent l'intérêt du ciel et qu'ils fassent toutes choses pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te prie pour leur vie. Seigneur, je prie que cette joie les accompagne tout au long de leur vie, et aussi de leur vie chrétienne, de leur marche chrétienne, de leur foi chrétienne. Et je prie, Seigneur, que ta bénédiction les accompagne, ta grâce les accompagne, ta main de bonté les couvre. Et je prie que ta main de protection également soit et marche toujours avec eux. Seigneur, je prie dans les moments difficiles, soutiens-les. Et que tout plein de l'ennemi, tout œuvre des ténèbres, tentant à les ravir hors de la bergerie, soit neutralisé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu les maintiennes dans cette bergerie, tu les maintiennes dans la vérité, afin qu'aucune brebis ne se perde. Comme tu l'as dit, je connais mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Alors Seigneur, je prie, ouvre-leur les oreilles spirituelles, afin qu'elles entendent ta voix, afin qu'elles te suivent et afin qu'elles soient sur le chemin. Seigneur, ce que nous voulons de plus cher, c'est qu'au dernier jour, tu nous ouvres le royaume éternel de Dieu. Alors, Seigneur, je prie que ce portail nous soit ouvert. Et que nous puissions voir de loin cette grande espérance de la gloire. Cette grande espérance du ravissement des saints. Nous puissions voir de gloire, de loin, cette gloire immense qui nous attend. Et que nous puissions voir, en voyant cette gloire travailler pour ne pas rater le royaume des cieux. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour nos vies. Accompagne-nous, sois toujours avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Nous sommes le groupe Jésus revient. Le Seigneur Jésus nous a mandaté pour proclamer l'évangile authentique et enseigner la sainte doctrine et préparer les élus pour le ciel. Et c'est dans cette lancée que les bien-aimés se sont mobilisés pour être enseignés sur la sainte doctrine et s'engager pour le baptême au nom de Jésus. Les voilà, qui sont de la joie. Et vous invite afin de même à se faire baptiser au nom de Jésus. Amen. Et à se préparer pour le ciel. Les voilà devant vous. Nous vous les présentons. Chacun d'eux va parler et va dire ce que le Seigneur lui a fait et le sentiment qui l'anime en ce moment après son baptême. En tout cas, hier c'était un grand festival. C'était de la fête dans les eaux. Ceux qui étaient là vont même témoigner de cela. Donc je vais leur laisser la parole. Vous allez donner votre nom, le nouveau nom que le Seigneur vous a donné, et vraiment ce que vous avez expérimenté dans peu de mots. Soyez bénis. Be blessed. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God.
Je m'appelle la sœur Ruth. My name is Sister Ruth. Le Seigneur m'a donné un nouveau nom. The Lord gave me another name. Que j'ai aimé. That I like. Hier dans les eaux de baptême. Yesterday in the water baptized. J'ai senti une force. I felt a power. Une très grande force. A big power. Qui s'est manifestée en moi. That manifested toward me. Et à la sortie, j'ai senti. And where I was going out. Une joie. I felt a joy. La joie est en moi jusqu'à that joy is in me till this Hallelujah. Morning. Même dans mon sommeil, je ne Even in, when I was sleeping, I was singing. Et Dieu m'a délivré and hier God delivered me yesterday de l'homme fort qui from the strong man qui me dérangeait that dans were ma vie. Disturbing me in my life. Je l'ai vu hier terrassé. I saw Hallelujah. Him yesterday. He was on Clamons the earth. Le Seigneur pour la vie de la sœur Ruth. Sœur Ruth, vous êtes Rose, dans votre maison, vous êtes dans la famille. House, voilà family, vos frères, vos sœurs. Et vous, sister, voilà votre sœur Ruth. Brothers, you, que le Seigneur vous bénisse. Here is your sister Ruth. Let the Lord bless you. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Hier, j'ai pris part les eaux de baptême. Yesterday, I was baptized. Autrefois, on m'appelait Prince. My name was Prince. Mais après le baptême, le Saint-Esprit After baptism, the Holy Spirit gave me the name of Jude. Jude. Après le baptême, donc, After baptizing, j'ai senti, bon, je suis devenu une belle créature. I felt that I become a new creature. Il y a la quiétude, la paix. And there is peace. Je me sens bien quand même. So I feel que le well. Seigneur vous bénisse. Let vous êtes the Lord bless you. Dans votre maison. You are in your house. Et bienvenue dans la famille. Welcome to the family. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Vraiment, moi, je suis très content. I am so parce glad. Parce que ce moment-là, je l'ai cherché. Because beaucoup. I was searching that moment. Et par la grâce de Dieu, je And l'ai by eu. By the grace of God, I moi, get it. Moi, m'appelais Hyacinthe. My name was Hyacinthe. Mais après les eaux de baptême. After water baptized. L'Esprit Saint m'a donné le nom. The Holy Eli. Spirit gave me the name Eli. Eli de Jésus. Eli de Jésus. Bon, à la sortie de l'eau. After moi, je me suis vraiment senti water, dégagé. I mon cœur est libéré. I felt that mon cœur est vraiment libéré. Free. My heart is free. Et je suis And rempli de joie. I'm feeling of joy. Que le nom du Seigneur soit béni. Let the Alléluia. Name of the Lord be blessed. Shalom, shalom, peuple de shalom, Dieu. Shalom, shalom, people of oui, God. Hier, Yesterday, j'ai passé par les eaux de baptême I au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a précisé, oui. au nom parce de ça montre qu'il cherchait depuis longtemps. Oui, oui. This means that he precise. C'est vraiment un moment It was a mémorable moment, pour moi a memory et que je vais garder that I will pour keep moi for me et pour Dieu aussi. And for God also. Donc, au cours du baptême, so, le Seigneur m'a donné le nom gave me the Matthieu. Name Matthew. Donc, Matthew. Je ne voulais même pas prononcer mon ancien nom ici I don't want parce to que pronounce je my suis une nouvelle créature. Alléluia. En Jésus. In Jesus. Donc, les choses anciennes sont passées. Oui, je suis devenu une nouvelle créature. I become a new creature. Le nom là ne me vient pas And that name dans la tête. Don't come in je my suis head. Maintenant, my désormais, le frère Matthieu. My name is Brother Matthew. Après le baptême, After baptize, je me suis senti I felt régénéré. 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 En Jésus-Christ. In Jesus Alléluia. Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue bless dans la famille. Lord bless you. Jésus revient. Welcome to the family. Jésus revient. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Moi, ici, c'est le frère Tite. My name is Brother frère Tite. Tite. En anglais, Titus. Okay, Titus. Et l'ancien nom c'était Alexandre. The ancient name is Alexander. Et quand je méditais la parole de Dieu, c'était un nom qui When me mettait mal à l'aise. When I was meditating the word of God, parce que c'est le forgeron. Oui, et c'est lui qui a créé assez de problèmes aux hommes de Dieu. Voilà. Donc ça me touchait. Et ce que Dieu a fait, c'est que l'homme de What Dieu, les hommes de Dieu qui me baptisaient, the man of God ils ont fait sortir, me, ils ont fait sortir les mêmes paroles et m'ont dit à cause de ça, words, on va changer ton nom. That because of that, I will change ce que le Seigneur a fait pour moi, What the Lord did to me, c'est quand j'ai rencontré, quand je voyais même le groupe Jésus revient. When I was seeing the group Jésus moi, revient, ce qui m'avait touché, c'était leur joie. What touched me is their joy. Alléluia, manifestez la joie. Manifest manifestez joy. La joie. Manifest joy. Manifestez la joie. Manifest joy. Alléluia. Et je disais au Seigneur, puisque j'étais dans la voie large, je disais When au Seigneur, I was in donc the large way, c'est pour ton,
Je ne te dis pas, non pas comme le monde vous la donne. Et j'ai ressenti cette joie depuis le premier jour que j'ai mis pied ici. Et j'ai vu que l'Esprit de Dieu a commencé par me décharger. Et j'ai dit au Seigneur, les hommes de Dieu ne m'ont même pas encore approché. L'Esprit de Dieu commençait déjà par me décharger. Et hier, le Seigneur m'a donné ma grande délivrance. My great deliverance. De la puissance de la sorcellerie. From the power of witchcraft. Parce que le Seigneur a révélé quelque chose qui était vrai. Feel something that was true. J'ai été embêté depuis mon enfance. As was disturbed since my child. J'ai été embêté depuis mon enfance. I was disturbed since I was child. Et une fois, on avait dit que si moi mes enfants ne deviennent pas quelque chose. And they said that if me and my children we don't become something. Tes enfants ne vont rien devenir. Your children will become nothing. Deuxièmement, on m'a dit. And the second is. Même si on ne peut pas t'atteindre. If I cannot attend to. Tout ce que Dieu te donne comme profession, mariage, work, ça, marriage, on etc. va détruire ça. We will destroy it. Et il y a deux semaines, on m'a and dit. And 2 weeks ago. Est-ce que tu sais que c'est moi l'homme de la famille? They asked me, do you know that I am the man of the family? Mais dans tout ça, le Seigneur me disait. In all those, silence. The Lord was asked me to keep quiet. Et je rends grâce à Jésus and parce I que thank Jesus dans son silence, because in his silence, il est tout puissant. He's almighty. Il savait que c'était la troisième and et la dernière fois qu'on allait me dire quelque chose comme ça. Last time et will tell je suis venu something ce like matin. That. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses dans la délivrance. The Lord, je ne peux let pas me tout understand dire, many things mais during venu the ce matin and I come this morning to tell devant son peuple, before devant his ses people, serviteurs his et servants, devant toute la création. Alléluia. Le Seigneur m'a porté à cœur de dire ceci and aussi. Lord let me to c'est quelque tell chose this. Qu'il m'a dit. Il m'a dit he tell me des gens ont sacrifié leur vie that people sacrificed your pour porter le fardeau de ce réveil pour que vous, revival, mes enfants, vous soyez for your bénis. Children be blessed. Donc, je voudrais que le peuple de Dieu so soit conscient de ça. The people of God be conscient le of that. Ça. Merci. Alléluia. Le Goliath de sa vie est tombé. Et je prie que tout Goliath, tout homme fort dans ta vie, tombe au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez parler. Shalom, famille. Shalom, family. Je réponds au nom du frère Daniel. My name is brother Daniel. Mon nom à l'état civil, c'était Jogwele Kodjo Evra. Mais le Seigneur a changé mon nom Daniel. My name was Evra. Mais le Seigneur a changé mon nom en Daniel. But the Lord changed my name to Daniel. Je rends grâce au Seigneur ce matin parce que le processus a été long. I thank the Lord because the process was long. Le programme a été fixé par Dieu. The program was fixed by God. Et je le remercie vraiment de ce que ça a été fait and hier. I thank him because it was did tomorrow. L'une des choses qui m'a particulièrement touché. One of things that touched me in particular. C'est que c'était hier qui était la veille de ma naissance. Is that yesterday was the day before my birthday. Donc je renaissais de nouveau la veille du jour où j'étais. So I was renewed at that day. Alléluia. The day before my birthday. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur and pour I cela. Bless the name of the Lord for that. Je sais que le Seigneur a de grandes choses à faire. I know that God has great things to hier, do. Hier, quand on a fini l'étape de la délivrance yes, sir, au baptême, after deliverance and baptize, je sais qu'un grand poids a été enlevé, un grand travail a été abattu. Big weight was removed. Et ce qui reste à faire maintenant, and what remains le Seigneur to do, même va conduire au nom the de Lord Jésus. Will direct it in Jesus que le name. Seigneur vous bénisse. Let the Lord bless you. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Mon nom c'est Gisèle. My name was Gisèle. Et après le baptême, after le Seigneur baptize, m'a donné le nom de Naomi. The Lord gave me the name of et Naomi. Après le baptême, j'étais tellement contente. After baptizing, I was very happy. C'est tout ce que le Seigneur vous a fait? Is all the Lord did to you? Gloire à Jésus. Glory continue. To Jesus. Shalom, shalom, peuple. Shalom, people of God. Ici, c'est la sœur Ruth. My name is Sister Ruth. Hier, l'Éternel a gardé le nom Ruth. Yesterday, the Lord kept the name Ruth.
Et m'a aussi ajouté le nom d'Esther. And add me the name of Esther. Donc, je glorifie beaucoup son nom. So I glorify his name. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. For what he did in my life. J'avais déjà rencontré la famille en 2021. I met the family since 2021. Mais je n'étais pas convaincu. But I was not convinced. Il a plu au Seigneur de me ramener en 2022 et de me faire passer par tout ce processus. To make me through. Those après process. La délivrance, after deliverance, till baptism, je me sentais déchargé, I was discharged, et je glorifiais énormément and I glorified the name of the Lord. Avant, je servais le Seigneur. After I was serving the Lord, but now, je ne sais plus le Seigneur comme I avant. That I don't serve actuellement, j'ai la like ferme conviction yesterday. Que je suis vraiment une ambassadrice du ciel. Now I have conviction that gloire I am à Jésus, que le Seigneur te bénisse. Let the Lord bless you. Shalom. C'est la sœur. Excusez-moi. Qui connaît la sœur? La sœur Ruth Esther. C'est la sœur qu'on avait rencontrée à l'évangélisation, le premier programme de 7 jours d'évangélisation qu'on a organisé. Elle nous avait rencontrés à Calavi, à l'université. Voilà. À Calavi, à l'université, pendant l'évangélisation. Donc c'est de ça qu'elle a parlé en 2021. Shalom, shalom, peuple de Dieu. La Bible déclare que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un bref mon témoignage. Je suis né dans une famille de vaudou. C'est le fétiche strong. Et ceux qui ont pratiqué fétiche strong, ils savent un peu de quoi je parle. Dans leur couvent, ce qui se passe, je ne veux plus même le dire. C'est des abominations. En 2017, le 30 décembre 2017, à 22 heures par là, j'ai quitté la maison là où j'étais pour aller. Et pour faire la première, j'ai quitté la maison à 22 heures par là pour aller chez ma maman qui n'est pas si loin de moi. Et j'ai pris un chemin étroit. Le chemin était étroit. Donc sur la voie, l'objectif pour lequel j'allais là-bas, l'objectif pour lequel j'allais là-bas, c'est pour des rituels de fin d'année. Alors sur la voie, je ne sais pas ce qui s'est arrivé jusqu'à présent, moi-même je ne sais pas. J'ai commencé par dire en moi, Seigneur Jésus, je vais te servir, je vais te rencontrer. Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a rencontré. Alléluia. Il m'a accordé la grâce and he gave me grace de vite voir et de vite comprendre que ma vie doit glorifier, doit le glorifier. My life should glorify et him. Ça fait de cela un an, au moins un an comme ça, j'ai fait un songe. Dans le songe, je me suis trouvé sur une voie étroite en train de partir. La voie étroite était intercédée par une voie large qui est goudronnée. That is, et quelqu'un, je me rappelle que la personne m'a rencontré, il m'a demandé qu'est-ce que je cherche. Ask me what I am je lui ai dit que je cherche Jésus-Christ. Je veux rencontrer Jésus-Christ. Et après avoir dépassé la personne, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel. J'ai reconnu la personne. Mon visage, je l'ai reconnu en tant que pape de l'église catholique. Il était tout rouge. Il a porté un chapeau sur ça. Il a commencé par se battre avec moi, disant que c'est lui qui est Dieu. L'esprit de l'orgueil. Il m'a conduit jusqu'à venir sur la voie. Voilà, on s'est battu comme ça jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné le victoire. Il y a des soldats qui étaient venus, je ne sais pas d'où ils étaient venus. Et j'ai eu le victoire par la grâce de Dieu. J'ai encore continué le chemin. Depuis ce temps, il y a d'inquiétude dans ma vie. There is on peut être en train de glorifier le Seigneur, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et sans qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le Seigneur a commencé un peu les processus de la sainte doctrine avec moi, par la grâce de mes grands frères.
et autres personnes. Et c'est comme ça qu'il nous a parlé and et il m'a convaincu de venir, à Jésus revient. À plusieurs reprises, il m'a parlé. Et dans le moment de... Ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est what quoi? Make me good? C'est je suis venu, j'ai intégré l'église à la veille des deux semaines passées. Les deux semaines passées. Semaine de séminaire passée. Ça m'a vraiment fait du bien. Et ça fera du bien dans mon foyer, dans le ministère, jusqu'à la fin de ma vie. Dans mon moment de jeûne et prière, de repentance, le Seigneur me portait à cœur le nom Paul. Et il y a le nom Ezra à cause d'une chose de la parole que moi aussi j'aime ce nom. Et dans le moment, c'est ces deux noms qui étaient attachés à moi, vraiment. Après la délivrance, je me suis senti bien sur la voie quand j'allais. J'entendais la voix du Seigneur qui me parlait. Il m'a dit, je t'appelle Paul. J'avais encore d'inquiétude parce que je n'avais pas bien la confirmation. Heureusement, quand je voulais entrer dans l'eau, ce n'est pas une joie qui m'a animé. Et la joie m'a conduit dans l'eau et la joie m'a fait ressortir. Quand j'étais encore dans cette joie, en voulant me baptiser, le pasteur Apollos, il a demandé quel nom je veux de la Bible qu'on me donne. Of Bible I want. J'ai dit Ezra et Paul. Mais il m'a baptisé au nom d'Ezra. Mais j'ai senti, après ça, je suis dans la joie, mais j'ai senti qu'il y a une partie de moi qui manque. Il y a une partie de moi qui manque. Alors sur la voie, quand on revenait, le Seigneur m'a porté à cœur de lui écrit. Et je lui ai écrit et je me suis rapproché. Je me suis rapproché de lui. Et le nom Paul est ajouté. Donc maintenant mon nom c'est Paul Ezra. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue dans la famille. Welcome to the family. Un seul mot, ce que le Seigneur vous a fait. Parce que le temps aussi, le temps joue avec nous. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, people of God. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Je I told you that my name is Ruth. Et Dieu m'a donné le nom Ouda. God give me the name Ouda. Quand je vais dire un peu des choses parce que quand j'étais avant même que je ne vienne ici, before coming here, j'ai demandé à Dieu, I was asking the Lord de me parler, de me convaincre. To speak me, to convince me. Il m'a montré dans mon songe. And he showed me in my dream. Apollos, le pasteur Apollos. Pastor Apollos. Et le docteur Silas. And Dr. Dans mon songe, Silas. In my dream, ils étaient nombreux comme ça, mais lui, il était à ma droite. We are many, but et docteur Silas the était assis dans Pastor une Apollos chaise comme ça. At the right, and Dr. Silas was sitting in the chair. J'ai commencé à prier. And I was start praying. I explained to the evangelist Jean Gratien. Il m'a dit que tu nous appartiens. Et c'est comme ça, j'ai eu le courage de payer mon billet pour venir. And I had courage donc, ce moment, to come here vraiment tant by recherché. Dans la voie là, j'ai été baptisé. In the large way, I was baptized, but I was not convinced. And I want to do my baptism again. Donc c'est quelque chose que j'ai recherché parce que I was searching for that je suis né dans une moment, famille musulmane. Because I was born in Muslim et Dieu family. M'a fait grâce de connaître and God Jésus me grace to know Jésus revient. Donc, dans que le Seigneur Jésus vous bénisse. Let the Lord Jesus bless you. In my movement de comment on appelle de jeûne. Of fasting. À chaque fois que j'ouvrais la Bible, at any time I opened the Bible, Michée 4. I see Michée 4 and je I read. Rien. Quand je ferme la Bible, when je m'en vais, close, je dors jusqu'à ce que je me réveille. J'ouvre, after sleeping, à plusieurs I opened Michée 4. Et je disais, ah, je sais and que I le Seigneur va faire quelque that, chose de bien I was moi. Saying that the Lord will do something et good to après me. Après ça, on est allé au baptême hier. And after baptizing to yesterday, ce que j'avais compris what dans I understood Michée, in Michée, c'est ce que Dieu a donné à Apôtre Paul. That is what il m'a God baptisé gave avec to Apostle Paul, Dr. Silas. And he baptized me et with Dr. C'est comme Silas, ça qu'ils m'ont donné le nom. And they Ouda. Gave me the name Ouda. Ouda. Et lorsque j'ai été plongé and dans l'eau, j'ai the water, senti, I felt, je me suis senti léger. I felt et après, that I j'ai am eu weak. Une paix intérieure. Alléluia. Peace que le Seigneur vous bénisse, sœur Ouda. C'est votre famille, Jésus revient. This is your family, shalom, Jésus shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of et God. Moi, je ne vais pas trop parler, mais je m'appelle Josué. My name is Josué.
Après le baptême aussi, c'est le nom que le Seigneur After Jésus my m'a baptism, donné. Et le Seigneur m'a délivré hier the Lord delivered me de la séance de délivrance. During the ça s'est moment bien of passé, le Seigneur m'a déchargé. The Lord discharged et me. Au cours des eaux de baptême, and during j'ai the senti water que baptism, je suis un peu léger. I felt that le Seigneur I m'a was rendu léger. Et la joie du Seigneur Jésus-Christ m'a and the joy of the Lord Jesus que le Seigneur te bénisse. Is animated me. Let the Lord God moi, bless c'est you. Le frère David. Alléluia. Proverbe David. Faut dire que je suivais le réveil depuis longtemps, depuis 2019. I was following the revival since 2019. Et j'ai dit tant que le Seigneur lui-même ne me convainc pas. And I said if the Lord don't convince me, je vais pas rejoindre le groupe. I won't join the group. Et c'est finalement en décembre and dernier. And finally in December, last December, j'ai prié. I prayed. Et le Seigneur m'a convaincu. And the Lord convinced me. Et depuis lors, and since then, j'ai commencé à suivre les activités. I start following the activities. Et c'est en cela que j'ai décidé de suivre le processus. And I decided to follow the process. Pour venir me faire baptiser. To come Alléluia. To baptize. Donc je bénis le nom du Seigneur. So I bless the name of the Lord. Parce que depuis que il m'a convaincu, il y a une grande joie qui m'a rempli. Because since he convinced me, I had a big joy. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. So I bless the que name le Seigneur vous bénisse. Let the God, on tient the Lord bless vraiment you. À préciser qu'il y a we un groupe. That parmi eux, il y a un groupe de jeunes gens vraiment qui évangélisaient déjà, mais qui ne connaissaient pas le groupe Jésus revient. Et je veux vous les présenter. Je veux que vous avancez un peu. On va acclamer le Seigneur pour leur vie. Ils sont un peu plus nombreux que ça. Il y a certains qui ne sont pas là. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et ils sont vraiment déterminés pour faire l'œuvre de l'évangélisation. Et ils sont engagés et c'est dans cette recherche, cette soif du Seigneur que le Seigneur les a convaincus après plusieurs recherches, plusieurs prières de venir vraiment dans ce réveil et de travailler avec nous pour l'avancement du royaume des cieux. Acclamons le Seigneur. Vous allez vous agenouiller et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Seigneur Jésus, voici tes enfants. Lord Jesus, here are your children. Nous te bénissons pour we leur vie. Bless you for your life. Tu as permis qu'ils passent par les you eaux du baptême. They go through baptism. Alors Seigneur, nous prions maintenant Lord, we pray now que tu puisses les accompagner dans that leurs différentes tâches. Them in their works. Et l'appel que tu attribues and à chacun d'eux, nous them. Prions que cet appel we se manifeste afin qu'ils soient de vases utiles, afin qu'ils soient des serviteurs utiles en tes mains pour la avancement de ton royaume. Seigneur, nous te bénissons et nous te les confions et nous te demandons d'inscrire à toujours leur nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.